I be like, there she go. She can't stand these hoes. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo vraiment un peu de désespoir, déception, puisque voilà, l'Olympique Lyonnais a fait ce match nul et est en train de, pour moi, franchement, je vous dis la vérité, en train de perdre des points très très précieux, puisque si on arrive à un point là, c'est que l'équipe n'arrive pas à avancer. Donc voilà, moi je pense que là, c'est difficile. Moi je me dis juste qu'il faudrait que Lyon finisse 5e ou 4e cette année. C'est tout ce que je me dis, puisque franchement là, comme vous avez, si vous avez vu le match, vous avez vu que vraiment c'est malheureux, franchement c'est malheureux. On est là à faire des passes de droite à gauche et on n'arrive pas à percer la défense de Nîmes. Alors dites-vous, la défense de Marseille, qu'est-ce que ça va être? Ça va être une défaite de l'Olympique Lyonnais contre Marseille. Moi j'annonce déjà les couleurs, nous allons perdre contre Marseille. C'est même pas la peine de les attendre parce qu'ils vont nous rentrer dedans. Ils vont nous rentrer dedans. Moi, j'y crois pas que, à part avec un peu de chance, si on se motive pour gagner le match contre Marseille, puisque Marseille va venir à Lyon. Mais franchement, là déjà, on a le prochain match contre Lorient qui va être très très difficile. En plus, c'est à Lorient que ça se joue. Déjà, défensivement, franchement, c'est difficile. On arrive un peu à tenir, mais c'est pas encore ça. Et il manque des buteurs, il y en a qui partent. Là, si on enlève Traoré, il faudrait mettre quelqu'un qui va marquer. L'équipe n'est pas encore bien au point, franchement. Là on a fait un match très 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 nul. C'est même pas un match là. Si par exemple tu as quelque chose à faire, fais-le, c'est mieux. Ne regarde pas ce match, c'est mieux. Tu perds ton temps, parce que là, si c'est pour voir de droite à gauche, tu fais des passes, on n'arrive pas à rentrer dedans. Une fois qu'on arrive dedans, on saute, un coup de karaté, je ne sais pas ce qu'on fait. Ou même pour dégager les ballons, on fait du karaté, je ne sais pas ce qu'on fait. Si on joue au foot ou on joue pas au foot, je ne comprends pas. En tout cas, là, c'était pas un match de football, c'était un peu n'importe quoi. Mais ce reste ça, je suis content que Lyon n'a pas perdu et a fait ce match du 0-0. Mais il y avait des points à prendre, voilà. C'est comme ça qu'on perd des points. Alors maintenant, là, c'est sûr et certain, ça va être une saison vraiment à l'eau. Ça va être nul, la saison de Lyon va être nulle. Là, c'est bien parti pour être nul. Si on ne commence pas à acheter des joueurs et à faire ce qu'il faut, au moins un défenseur, ça irait. Il y a un attaquant, quelqu'un qui marque des buts. Puisque si Memphis Depay ne marque pas, personne ne marque, ben, si personne ne veut marquer, à un moment donné, il faut quelqu'un qui a la rage, qui veut marquer. Son objectif, c'est marquer. C'est pas on cherche que Depay. Il faut qu'il y en ait un autre, un buteur aussi. Lui, il veut partir. Il faut qu'il cède sa place. Je sais pas, moi, il faut faire quelque chose. Puisque là, il y a vraiment un problème dans l'Olympique Lyonnais. Là, moi, je dirais que, bon, il manquerait peut-être un défenseur. Moi, je dirais que ça serait très bien. Et quelqu'un qui a la rage, qui va marquer un but, au moins un rage. Puisque là, si Memphis Depay ne marque pas, bon, on va dire Toko Zambi, lui peut-être peut marquer, lui quand il est en forme, il est bon. Mais bon, moi je pense que l'Olympique Lyonnais ne finira pas premier, ça c'est sûr. Et deuxième, encore moins, cette année on finira. Pour moi, j'y crois pas là, je crois. Après, vous allez me dire, c'est que le début du championnat, je m'enflamme un peu vite. Mais bon, quand je vois ça, je pense que là, ça commence à faire comme tous les années, hein, comme tous les années. Mais bon, on va voir en décembre ce que ça va donner, hein, le mois de décembre, si, où on en est. Mais le championnat va se former à partir de décembre, on verra à peu près qui est qui. Mais moi, je pense que là, déjà, on va perdre contre Marseille. Moi, c'est ce match que j'attends là. Mais Marseille va nous battre. Pour moi, ils sont très motivés, ils vont nous battre. Ils ont battu Paris, ils sont motivés. Normalement, il n'y a pas de souci. Si on gagne, c'est un espoir. Parce que là, franchement, on n'est pas très très au top. Mais moi, franchement, sans vous dire, moi j'attends plus l'Euro 2021. Et j'attends ça parce que je veux voir la France qui vont faire, ce qu'ils vont faire, s'ils vont la gagner l'Euro ou pas. Et voir les Pays-Bas, etc., le Portugal et tout ça. Ces grosses équipes, c'est tout ce que j'attends. Parce que là, le championnat de France, là, ça commence à... Déjà, Lyon, on n'est pas en Ligue des Champions. Paris, ils vont peut-être aller loin. Marseille aussi. Mais bon, voilà. Après, il y a les autres équipes en Coupe de l'UEFA, etc., les équipes comme, bon, vous connaissez les équipes mieux que moi, mais bon, moi,
ça me dépasse. En tout cas, ce match, il m'a énervé ce match. Là, je suis calme, mais franchement, au fond de moi, je suis vénère. J'ai envie d'insulter, j'ai envie de dire n'importe quoi. Mais bon, je me calme, je reste tranquille, ça sert à rien, je ne veux rien casser. J'aime bien être calme, tranquillement. Bon, on se retrouve pour une prochaine vidéo, les amis. Je veux rester calme. Je vais aller dormir, c'est mieux. Je suis en week-end, tranquille.